choisi de traiter le thème de Picasso et l'abstraction parce que c'est assez rare en fait de pouvoir travailler sur Picasso et défricher un thème qui est somme toute assez nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelques articles universitaires qui ont été écrits sur le sujet, mais il n'y a jamais d'exposition qui a vraiment essayé d'expliciter les liens qui existent entre Picasso et l'abstraction. Donc c'est vraiment une grande nouveauté et bien sûr c'est assez stimulant à la fois pour nous de pouvoir travailler sur cette thématique et je pense pour le public de découvrir un sujet qu'on n'associe pas forcément spontanément à Picasso. On a affaire à un artiste dont probablement la vision très négative de la vie joue pour beaucoup dans son rapport à l'abstraction, dans son rapport positif à l'abstraction, et qui, à différents moments de son existence, va toucher l'abstraction et va toujours faire un pas en arrière parce que ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Il y a une expérience pour lui qui est fondatrice, qui est l'été 1910, où là, il bascule véritablement dans l'abstraction, et c'est une crise. Il a manifestement très mal vécu cet élément-là. On sait très peu de choses, il a ramené très peu de tableaux, il en a beaucoup détruit. Et il y a eu un changement radical qui s'est opéré à partir de ce moment-là. Mais pourtant, il s'est toujours intéressé à ce que faisaient les artistes abstraits. Parce qu'effectivement, Picasso est un homme qui a absorbé énormément de choses. Et dans la manière d'absorber, les abstraits renvoyaient, je pense, à quelque chose qui a été permanent chez lui, c'est la science de la peinture. Et pour Picasso, l'abstraction, c'est une forme de science de la peinture, dégagée de toute contrainte de sujet. Mais ce n'est pas si évident que ça non plus. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition, c'est que malgré tout, il y a une sorte de fascination, puisqu'on voit qu'il s'approche à certains moments de l'abstraction, qu'on perd quasiment ce lien à la réalité qu'il revendique pourtant, mais qu'à chaque fois qu'il touche un peu l'abstraction du doigt, finalement, il fait machine arrière et il revient à des motifs qui sont plus identifiables pour le public. Et il y a ce mouvement un peu de balancier des œuvres qui vont aller vers l'abstraction et qui finalement vont revenir ensuite vers quelque chose de plus figuratif. Et l'abstraction, c'est dans l'œuvre de Picasso, ce sont les moments où la logique de la peinture prend le dessus sur le moment où il veut exprimer des choses. Cette exposition n'est pas une exposition centrée sur une période qui aurait pu être prise comme une période charnière, qui est le cubisme, parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'abstraction, le cubisme, mais même dans l'histoire des avant-gardes, va devenir la base d'un langage commun à toutes les avant-gardes, à partir desquelles le XXe siècle va s'articuler. Ici, c'est un parcours individuel. On ne voit que le parcours de Picasso, et grâce au partenariat avec le musée Picasso, on ne voit pas le Picasso d'une expo de peinture au sens classique du terme, mais bien nous avons travaillé sur leurs archives et donc c'est le laboratoire Picasso. Ce qui était intéressant à montrer, c'est comment cet homme, face à la réalité, face à un non-sujet, je vais représenter une bouteille de bière sur un guéridon avec un verre et une pipe, c'est un non-sujet et ce non-sujet devient un véritable sujet de peinture. Mais il y a notamment un événement important qui fait date et qui est la grande rétrospective Cézanne. Cézanne, c'est un artiste qui a vraiment une influence décisive sur Picasso. C'est à partir de là qu'il va commencer à s'intéresser à ce processus de géométrisation des formes et notamment de la nature à travers des œuvres comme les deux figures dans un paysage où on a vraiment l'impression d'une fusion entre les personnages et le décor naturel dans lequel elles se trouvent. Quant à la relation entre Picasso et Braque, on a pu parler d'un équipage ou d'une cordée, il y a vraiment cette idée de deux artistes qui se fréquentent, qui se suivent et qui s'inspirent de ce que l'un et l'autre font. Picasso fait les Demoiselles d'Avignon et Braque répond en quelque sorte avec son Grand Nu de 1908 qui intéresse aussi Picasso qui va, non pas le décliner, mais qui va s'en inspirer dans un certain nombre de séries de dessins. Et à cette époque-là, c'est vraiment ce binôme en fait qui développe la pratique du cubisme. Depuis son début, depuis la période bleue et période rose qui ne sont pas dans l'exposition, il y a une volonté chez lui de montrer le mauvais côté de la vie. Ce que les Demoiselles d'Avignon vont exprimer au début, en représentant une maison close, il exprime le rapport de l'amour et la mort, du sexe et de la maladie. Et puis petit à petit, il va se dégager de ça et il va montrer en fait que les formes elles-mêmes peuvent exprimer cette ambivalence. C'est comme ça, notamment dans son œuvre, sous la forme du fétiche, qu'apparaît l'art, j'y mets des guillemets, nègre, dans l'œuvre de Picasso, et je dis bien l'art nègre et pas l'art africain,
parce que dans le moment historique de Picasso, à ce moment-là, il n'y a rien qui précède par rapport à cette création-là, et il n'y a aucune distinction qui est faite entre de l'art océanien, de l'art africain, mais même de l'art de l'Égypte antique. Et donc cette indistinction fait qu'on ne vise pas une culture, une communauté, une couleur de peau, des peuples, un continent, mais on est véritablement dans quelque chose qui exprime, pour Picasso, un vivier de formes qui ne correspond pas à notre culture et notre civilisation occidentale, qu'il veut déconstruire, et il va trouver là les outils pour le déconstruire. Et ça, c'est quelque chose que la génération qui suit, les surréalistes, vont découvrir chez Picasso avec une fascination, parce qu'il y a cette possibilité, à travers notamment le collage, d'aller dans un sens, le sens de la forme ou le sens du contenu. Mais ils sont totalement interdépendants. Le lien de Picasso avec le surréalisme, il est intéressant parce que quelque part, c'est un peu le même qu'avec l'abstraction. C'est-à-dire qu'il a pu à la fois s'en approcher et en même temps, il n'a jamais totalement fait partie du mouvement surréaliste. Donc, Picasso rencontre Breton en 1918 et Breton nourrit déjà une grande admiration pour Picasso. Et dans les écrits de Breton, le travail cubiste de Picasso est vraiment pris comme exemple de l'archétype de l'œuvre surréaliste, dans le sens où elle permet d'avoir un nouveau regard sur la réalité. Cubisme, surréalisme, pour l'avant 1940, puis à la sortie de la guerre, l'abstraction devient une sorte de ligne dominante. On le retrouve dans la peinture à ce moment-là de l'exposition et on voit que le passage à la sculpture permet de jouer avec ces formes qui forment aussi un vocabulaire inscrit dans son époque. Or, Picasso est un homme qui connaît parfaitement les rouages du Sarre système et qui en tire toutes les ficelles. Il a là un retour vers l'abstraction qui est très net. Et puis on voit à la fin de sa vie, ce qui est la dernière partie de l'exposition, une sorte de libération du geste, mais un geste qui va devenir délié, qui est une sorte d'exubérance de l'énergie qu'il va rendre sous une forme toujours figurée, mais avec une manière de traiter le geste qui a tiré parti de l'expérience, notamment de tout ce qui a été l'expressionnisme abstrait. Le rapport à l'atelier est quelque chose vraiment d'important dans le parcours. Si l'exposition n'est pas une véritable chronologie depuis les premiers dessins de l'enfant jusqu'à sa dernière œuvre, elle commence avec le cubisme, elle commence avec un moment très très particulier. C'est un moment où Picasso va fermer les portes sur le monde extérieur et ne traiter le monde extérieur que lorsqu'il s'introduit dans l'atelier. Et en s'enfermant dans l'atelier, Picasso a créé une dynamique qu'il ne va jamais abandonner. Et sa vie durant jusqu'à sa mort, ses ateliers sont à la fois les lieux de création, mais aussi le premier lieu de mise en scène de l'œuvre. Quand on regarde ses photos d'atelier, on retrouve des œuvres de la période bleue, on retrouve des masques africains, des masques polynésiens, des fétiches, un tiki venant de Tahiti. Enfin, on retrouve tous ces objets qui passent d'un atelier à l'autre et qui forment un très étrange assemblage non rétrospective d'une œuvre qui, d'une certaine manière, conduit l'artiste à plus peindre la réalité en regardant sa peinture qu'en regardant à travers la fenêtre. Absolument. Puis Picasso, en fait, a une collection personnelle qui est importante, dans laquelle il y a à la fois des œuvres de ses contemporains qu'il admire, des œuvres plus anciennes et une importante collection d'œuvres d'art extra-occidentales. Et dans un cas comme dans l'autre, ce qui l'intéresse et ce qui le marque véritablement, c'est à la fois un répertoire de formes qui est complètement différent de ce qu'il a pu connaître chez ses prédécesseurs et dans la tradition classique, et un mouvement vers une réduction des formes, avec des formes qui sont souvent dans une économie de moyens assez grande, dans une schématisation aussi assez importante. Et c'est de ça qu'il va s'inspirer pour les œuvres du début des années 1900 dont on a parlé, qui amorce un peu ce processus d'abstraction. Je pense qu'il y a quand même une réponse à la question, et c'est que Picasso n'est pas un artiste abstrait, si on se posait la question avant. Et ce qu'on met en avant dans l'exposition, et ce qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est de montrer comment, même en étant de toute évidence pas un artiste abstrait, il s'est quand même posé la question, il a quand même réfléchi à un certain nombre de choses, et par son processus créatif, il s'est parfois approché extrêmement près de cette idée d'abstraction, tout en, dans son discours officiel, la refusant avec énormément de constance.
Donc c'est un peu ce paradoxe-là, en fait, qui est au cœur de l'exposition et qui doit être l'idée principale, je pense, qu'on retient en sortant du musée. Picasso abstrait, non, parce que ça voudrait dire qu'il assume une position. Or, il est très clair sur cette position, il ne l'assume pas du tout, il ne la reconnaît pas. Mais ce qui est fascinant, c'est que cet homme qui franchit une ligne blanche, dit non, c'est pas bon, il refait un pas en arrière, mais il a quand même franchi le Rubicon. Et d'autres le suivent dès lors. Et Mondrian suit Picasso, et Malevitch suit Picasso, et Tatlin suit Picasso. Et même une partie des surréalistes vont suivre Picasso. Et il veut être un phare un peu solitaire. Plus il est seul, mieux il se porte. Donc il y a chez lui cette complexion qui est une complexion de caractère et de créativité qui fait que non, je ne dirais pas qu'il est abstrait, parce que c'est aussi une expression qui enferme. Il faut encore s'accorder sur ce qu'on appelle une œuvre véritablement abstraite. Et ça, c'est vraiment un travail de déconstruction qui est en cours à l'heure actuelle, mais depuis déjà un certain nombre d'années, et dont on essaye de rendre compte dans l'exposition. D'insister plutôt sur l'idée de phénomène global que sur l'idée d'un artiste à l'origine d'un processus totalement nouveau et inédit.